Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Musique Créole. Ce soir, j'ai la chance d'accueillir la princesse. Oui, je dis bien la princesse du côté de Madagascar. Elle chante trop bien, surtout quand elle bouge un petit cas. Bonsoir, Sandria. Bonsoir, Tessa, comment elle est? Ça va? Ça va très bien. Il fait chaud sur le plateau tout d'un coup. Les voix. On est tous les deux toutes seules en plus, tu vois. Ça, c'est grave. Les gens se disent, qu'est-ce qu'elle parle, ces deux-là? En fait, ce que vous savez pas, c'est que derrière la caméra, il y a tellement d'hommes qui sont en train de nous regarder. Ça, c'est incroyable, quoi. C'est normal. Bon, on aime bien plaisanter, en tout cas. Sandria, ça me fait plaisir de t'avoir sur le plateau, en tout cas. Oui, moi aussi, franchement. Alors, je fais un petit coucou à toutes les personnes qui nous regardent. Merci de liker la page Musique Créole, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir parce que franchement, ben, on a plein de monde, ça m'a intéressé, ma vieux donne télé, il me dit, ben, mais content qu'on voit une télé, enfin voilà quoi, mais dans notre case, on rend compte, dans notre case, ouais, on a plus qu'à notre télé comme ça. C'est pas vrai. Bon, c'est une autre blague, mais bon, on va pas se perdre, on va revenir dans l'émission. Sandria, tu nous viens d'où exactement? Je viens d'un grand île, d'une grande Madagascar. Île, Madagascar. Oh, oui, c'est mon pays. Exactement où? Je viens vers l'Est. Vers l'Est. Province Tamatave. D'accord. Tu es née dans la musique, tu as grandi dans la musique. Comment ça s'est passé? Je commence la musique juste, je pense que 7 ans. À 7 ans? Oui. Même temps, je joue aussi les guitares. D'accord. Oui. Même temps. Je suis venue avec une guitare. À la prochaine fois, je viens. J'ai pensé tout à l'heure. D'accord, ok. Voilà, c'est pas perdu. Et du coup, comment ça s'est passé? J'ai commencé à l'église, par contre. Ah, d'accord. Ouais. La chorale, c'est ça? L'église chorale, oui. J'ai commencé très tôt. Et comme j'avais une voix quand même, je vais dire pas assez top, mais la voix qui... Qu'il fallait, ouais. Mais j'étais petit, mais j'avais une place énorme à l'église. D'accord. Oui. Et les gens quand ils venaient dimanche, c'était... Oui, non, c'est samedi. Chez vous, c'est le samedi, voilà, alors? Parce que je suis un adventiste. D'accord, moi je ne vais pas à la maison tout de suite. Hein. Voilà, je suis adventiste. Tous les samedis, tout le monde dit très hâte d'attendre... C'est ce moment-là. D'accord. Parce que j'ai fait toujours des chants pour les gens. Samedi après-midi, il y a plein de monde. C'est... D'accord, c'était ok. Énorme. Et les gens venaient. Ah ouais, regardez, petite Sandria. Oh, ouais. D'autres mignons, si tu as une photo pour nous, en voilà. Nous, quand on va publier sur la page Musique, ça me fera plaisir. Et comment ça se fait que tu as atterri à La Réunion après? Oui, par rapport à mes enfants. D'accord. Et mon mari aussi. D'accord. Du coup, tu es arrivée à La Réunion et après le SEGA. Voilà. C'est un coup de tête, on va dire, c'est un coup de tête. Mais pourquoi t'as pas gardé... je crois que si, t'as des chansons que t'as gardées de la même culture de ton île, oui, que oui. Tu as ramenées ici. Oui. Et après, tout d'un coup, t'as changé, t'es venue directement dans le SEGA. Oui, quand j'ai commencé à chanter à La Réunion en 2011, j'ai fait une chanson malgache. Mm-hmm. Mais les gens, ils ont aimé tout ce que j'ai fait déjà. D'accord. Après, j'ai pensé, je suis à La Réunion. C'était comme les Réunionnais. Et les peuples, ils aiment quand même tout ce que j'ai fait. J'ai dit, je vais faire quelque chose pour eux. Ah, d'accord. Ouais. Comme donc, ça, c'est une sorte d'hommage, de remerciement, en fait, c'est ça? Ouais, franchement, d'accord. Parce que c'est énorme, les soutiens qu'eux, ils font. Mm-hmm. Et énorme. Le pire dans cette histoire, c'est qu'elle a réussi à nous marquer avec le titre « Laisse-moi aller ». Oui. Quand on dit que c'est une... Comment on dit une femme qui sort de Madagascar? C'est une malgache. Une malgache, oui. Voilà. Quand une malgache chante « Laisse-moi aller » et on regarde la tête, on voit c'est une malgache. D'accord, ok. Donc, au départ, c'était un petit peu difficile, mais après, les gens, crac. Voilà. Ils sont accrochés. Ouais. Énormément. Mais vraiment, c'est... Ouais, j'ai dit toujours merci à les messieurs qui m'ont proposé de chanter cette chanson. C'est lui qui a écrit. D'accord. Parce que franchement, en plus, c'était dur. Très, très dur. Mm-hmm. On a pris une semaine pour apprendre juste. D'accord, c'est apprendre à parler créole. Ouais. D'accord. Et chanter en même temps, une semaine. Chou. J'arrive aujourd'hui, je rentre en pleurant. Ouais, parce que j'ai envie de tout lâcher. Je reviens demain, une semaine. Une semaine après. Ouais. Et après, du coup, comment ça s'est passé? Ah, après, quand j'ai rentré dans le studio, c'était juste, j'ai envie de chanter non-stop. D'accord, ok, là, t'es parti, là, le ah, train ouais, était fil à l'heure, quoi. Mais tu sais quoi, avant de partir un peu plus loin, on va revenir avec un de tes plus anciens clips. Ouais. Mais par contre, j'arrive pas à dire le nom du titre, comment ça se dit? Alors, attends. Fitia. Fitia. Ti. Ti. Récit. Récit. Voilà. Ça veut dire quoi? Fitia tiré, ça veut dire, c'est l'amour, on parle d'histoire d'amour. Histoire d'amour. Ouais. Eh ben, c'est parti avec ce titre que j'arrive pas à dire. Voilà, allô? Ah? Dites-vous le temps de l'âme, ça, car...
yefa yavukono sinu bisana fuku tipo no wote kavi. Oh.
un petit morceau qui sort de l'île Madagascar, chanté par notre belle princesse de Madagascar, malgache, comme il dit, comme si la créole ici, là, Sandria. J'aime bien Sandria. Elle a une personnalité assez particulière pour moi. Elle a un petit corps sexy, des tenues magnifiques. C'est le genre de personne où on a envie de prendre un bon galet. Voilà. Mais finalement, nous, on va pas le faire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je suis jalouse. Non mais sérieux. Bon, elle a des enfants. On va pas dire combien, mais elle a des enfants. Et regardez le corps qu'elle a. Moi j'en ai que deux, regardez-moi. Et à chaque fois qu'on se voit, on se taquine comme ça en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu fais pour garder ta taille comme ça? Donne-nous ton secret. On va dire, j'ai pas de secret, hein. Du tout, j'ai pas de secret. Mais c'est ça. Ouais. Alors, mon secret, c'est du sport alors. Non, mais ça m'intéresse pas. J'ai fait t'entraîner, tu sais. Non, mais c'était un remède, tu sais pas, moi. J'ai pas de secret, j'ai jamais fait les régimes depuis que je suis née. Hein. D'accord. J'ai fait quatre enfants. Quatre enfants, j'ai pris quand même du poids comme tout le monde. Mais d'accord. Après, j'ai repris le sport tout de suite après. D'accord. Et du coup, tu es restée fine comme ça. Voilà. Et ben, punaise, j'aurais jamais cru qu'elle aurait autant d'enfants et qu'elle a un corps comme ça, en tout cas. Hein. Donc voilà. Il y a un petit morceau que j'aime bien de toi, qui est assez provocatrice, je dirais même, limite, baby amour. D'où sort cette inspiration de notre groupe? Oui, ça aussi, c'est un ami aussi qui m'a écrit cette chanson. C'est lui qui m'a donné toute l'idée parce qu'il regarde mon physique. Bah attends, tu m'étonnes. Après, il a dit, j'ai vu que tu chantes ça. Bah, il a bien fait. Et c'est lui qui a écrit le scénario du clip aussi? Non, ça par contre, c'est mon idée avec les caméramans. Ah ben, ça allait bien avec. Hein. Une vraie, on mais une vraie A. Non, continue pas. On va s'arrêter là. En tout cas, Sandria, ça fait plaisir que tu es venue sur le plateau de Télé Créole, Musique Créole. Et moi aussi, franchement. On fait un petit coucou à toutes les personnes qui nous regardent depuis Dakar, Angleterre. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui nous regardent depuis là-bas et ça fait plaisir. Des Réunis qui sont partis, hein, pour le travail, pour autre chose, qui sont à Dakar, qui sont en Angleterre, à Manhattan. Oui, à Manhattan. Je fais un petit coucou à Manhattan. Bisous, Priscilla. Gros bisous à toi, en tout cas. À Nièvre. Avec Silvio, JB de Lyon, Aurélie, Olny Sous-Bois. Enfin bref, il y a plein de gens qui nous regardent. Surtout l'île Maurice. Bisous à toutes. Fait plaisir. Le petit message sur la page. Les nickels, chromiers, kiffent ça en tout cas. Et je fais aussi un petit rappel au niveau des auditeurs. Parce que oui, on est aussi diffusé sur la radio. Faites attention pour ceux qui sont sur la route. Comme a toujours dit, garde bien droite devant vous. Vous n'êtes pas tout seul sur la route. Donc tiens, bien de volant. Et il n'est pas la peine de boire, ni manger, ni maquiller. Faites pas comme Tessa, il prend des feux rouges, il prend un rouge à lèvres, là. Et non, faites pas comme ça. C'est vrai. Ça n'est indispensable, ça, en tout cas. Donc voilà. Sandrine, à tous ces corps, on va faire plaisir à toutes tes fans parce que tu as quand même un fan club. Oui, franchement, merci. J'arrête pas de remercier à eux. D'accord. Et merci à Dieu. Et tu sais, j'ai un petit message pour toi de la part de Angelina et Naomi qui te fait un gros bisou et qui ont demandé de dédicacer Baby à moi juste pour eux. Ah, merci. Alors ça c'est parti plaisir. Avec le clip Baby à moi. Baby à moi. Baby à moi. Baby à moi. Baby à moi, c'est pour la vie que mien et ma ou. Baby à moi, baby zou que colle serré. Baby à moi, c'est pour la vie que I love you. Baby à moi, baby zou que colle serré. Baby à moi, c'est pour la vie qu'elle love you. Baby à moi, baby zou qu'elle connaissait. Hey yeah. Baby boo, baby boo, fou de you. Baby boo, baby boo, fou de you. Baby boo, c'est pour la vie qu'elle vient à you. C'est pour la vie qu'elle love you. Moi, love it de you. Love it. Love it.
baby à moi, baby zou qui connaissait. Hey, yeah. Baby à moi, c'est pour la vie qu'elle en view. Baby à moi, baby zou qui connaissait. Hey, yeah. Baby à moi, c'est pour la vie qu'elle y aime en vous. Baby à moi, baby zou qui connaissait. Hey, yeah. Baby à moi, c'est pour la vie qu'elle en view. Baby à moi, baby zou qui connaissait. Ce clip, hein. Très très excitant, je vous dis. Hein. Ah, je te jure, on est tout seul sur le plateau, mais derrière là-bas, là, il y a plein qui regardent. Ouais, exactement. Sandria, quels sont tes prochains actualités qui vont qu'est-ce qui va arriver bientôt là? On va dire c'est une surprise. Je ne vais pas trop parler. Non, on n'a pas sur vous avec moi. M'a dit, oh, on n'y va pas tout. Alors, sinon, boss, il va me totosser. Ah, le boss, allez, moi. Ah, mais je profite toujours de dire merci à Musique Créole, merci à Tessa, merci à Boss. Franchement, c'est tout ce que tu fais pour nous, les artistes, c'est énorme. J'ai dit, Dieu t'est béni. Il n'y a pas plus que ça. Tu vois. Là, les autres contents, là. Monsieur Arraille, vous êtes contents, là. Il y a un clip qui est en route et on est en train de finir les montages. Effectivement, ça fait prend déjà beaucoup de temps. Ça fait un an qu'on a travaillé. Ouais, un an. Un an. On a travaillé avec cette chanson. C'est vrai? Ouais. Mais les clips, ça fait à peu près 2 mois qu'on a travaillé, mais voilà, presque fini. Pourquoi autant? Il y a beaucoup de participation dedans. Il y a beaucoup de travail. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on peut parler aussi de paysages différents, c'est-à-dire paysages extérieurs tels que l'Himorisme, Madagascar? Oui, il y a pas de souci. D'accord. C'est pour ça que c'est si long que voilà, ça. Voilà, parce qu'il y a on a essayé de prendre les plusieurs cultures qui existent à la Réunion. D'accord. Voilà. Après, il y a beaucoup. Franchement, il faut appeler les danseuses indiennes, par exemple. Après, je peux continuer tout. Il y a plusieurs. Mais d'accord, ça demande beaucoup de travail. Comme ça prend... Mais je pense que tu dois être fière de ce projet très qui fière, va arriver. Vraiment. D'accord. Ben bah, écoute, bah, j'espère Tu vois, je ne presse pas mon caméraman et moi et Thierry Array, on ne presse pas du tout parce qu'on sait que les choses, c'est vrai que c'est long. Ça présente bien à la Réunion. C'est très, très long, de toute façon. Mais ne t'inquiète pas, j'espère juste que tu vas revenir sur le plateau de Musique Créole, bien nous sûr. Le présenter ça, en c'est tout sûr, cas. Pas de souci. Là, pour l'instant, on présente un petit peu tes clips, le début, les derniers, l'actualité, c'est ça qui t'a fait connu. Mais on espère aussi que tu vas revenir avec ce clip. Il n'y a pas de souci, ça. Tu peux juste ça. Au moins nous dire le titre de la chanson? Surprise. Non, pas ça marche surprise. Pas, hein, ça marche pas. Hein. Bon, on va faire plaisir à tout le pape rayonnais. Oui, je dis bien le pape rayonnais, parce que figurez-vous que c'est une malgache qui chante le créole avec son titre Laisse à moi aller. Oui. Ça la marque est très les formes sur la Réunion, mais elle était incroyable. À chaque fois que j'ai des prestations avec Sandria, je vous jure, t'as plein de formes devant comme ça. Laisse à moi. Non mais je te jure. Et là je suis là, je dis bon ben tu sais quoi, la jalousie c'est non. Si. La jalousie la reine à moi service. Oh. Ah ça c'est toi qui ça c'était dit. Bon allez, on va plaisir à tous tes fans, d'accord. C'est parti avec le titre Laisse à moi aller de Sandria. Mais les trois temps, jamais.
séparer. Voilà toujours dit à vous, changez ton manière. Ou l'a pas voulu écouter, là où verrez tout en arrière. Merci à l'Alain et à François d'avoir beaucoup de patience pour supporter Tessa. Bah, elle doit bien manger la ragaille alors. Donc, dis-moi, Sandria, d'habitude, je demande toujours un proverbe préféré, un proverbe créole préféré. Mais toi, comme tu viens de Madagascar, est-ce que tu en as des proverbes, madame? Ouais, moi, j'ai un proverbe qu'ils aiment bien tout le temps. On parle toujours des dieux, quoi, tu vois. Mm-hmm. On va dire « Azan louasa mangina nudirina fa andriaman trawatapun lou ». Ah, j'ai pas compris. Ça veut dire... Tous les malgaches, ils vont comprendre. Mais d'accord. Ça veut dire quoi? Ça. On va dire, regarde pas autour de toi que c'est silence ou calme. Fais pas n'importe quoi parce que Dieu te regarde. D'accord. Tu vois? C'est un proverbe de... On connaît ça, je connais ça depuis très petit. Mes parents, ils me disent ça souvent. Et c'est resté dans ta tête? Ouais. D'accord. Mais tout le monde y connaît. C'est quoi ton pire souvenir sur une scène musicale? Oh, une pire souvenir. C'était... Oui, ça fait... Quand j'ai commencé à chanter, on va dire, il y a 2 ans que j'ai commencé. D'accord. Chaque fois que j'arrive sur scène, mon clé SV, il m'a... Oh! Là, il y a trop de virus dessus. Ça m'est arrivé plusieurs fois, tu vois. Et du coup, tu fais quoi? Tu fais la capella ou bien tu passes à autre chose? Après, d'un coup après, il y a toujours un miracle. D'accord, ouais. Ok. Donc, en gros, soit ça... j'avais un CD dans mon sac, soit... Je sais pas. D'accord, bah, t'as mais la tu chance. Sais, quand on croise Sandria sur scène, on prend un micro, pit, clé SV. Le but, c'est qu'après, ça fonctionne. Ouais, mais c'est de l'ambiance, tu vois. D'accord, ok. Bon, Sandria, je vais te laisser avec la chanson de d'aujourd'hui. J'ai choisi, je ne sais pas si on dit Brice ou si on dit Dryce. J'ai un doute. Il faudrait que je l'invite un jour sur le plateau pour en parler et discuter. Et une fois, j'ai vu un truc, c'était écrit Cédric Marbeau, un truc comme ça. Et je me suis dit, mais il s'appelle comment ce mec? Dryce, Brice, Marbeau, Cédric. Il faut vraiment que je l'invite sur le plateau. Je te jure, je vais cuisiner bien comme il faut. Parce que j'adore ce dernier morceau là, l'amour doux, l'amour fou là. Ouais. Ma voix signée, maman, vraiment, ce beau gars. Allez, c'est parti tout de suite avec ce clip. Même là c'est pour faire gâte tout ménage. Mais tout mi vire, mi mon à moi où ça roulait. Dans mon pensée, on est n'a un autre pour aimer. Mon confiance n'est dure pour moi donner. Souffrance, moi la trop supporter. Pardonne à moi, et regrette toujours ça qui m'y fait. Mon colère, mon fierté, mon honneur. Ça même là pour prise ou de cœur. À force, moi elle est trop jaloux. Mine à l'impression. L'amour ça les fout, souvent les rend à moi jaloux. Et n'a conflit en autre de nous surtout. Moi les trop amoureux, faut pas qu'on pense moi les mauvais. À l'évidence c'est où, mais me regarde.
même le premier pour garde qui ça il est. Mi fouille, mi veille, mi demande, mi questionne comme un chat chaudé. Mi veut plus être trompé. Mon confiance est dure pour moi donner. Souffrance, moi la trop supporter. Pardonne à moi, mi regrette toujours ça qui m'y fait. Mon colère, mon fierté, mon honneur, ça même la pour brise ou de cœur. À force, moi elle est trop jaloux. Ça les fout. Souvent les rend à moi jaloux. Il n'a confié à notre peau. Surtout, moi les trop amoureux. Faut pas qu'on pense, moi les mauvais. À l'évidence, c'est où m'y veut garder. Le soir m'y arrive, m'y trouve pas où dedans la case. Rien que ça même lasser, m'y fait gâte notre ménage. M'y tourne, m'y vire, m'y m'en amoué, où ça oulait. Dans mon pensée, où n'est n'a un autre pour aimer. Mon confiance n'est dure pour moi donner. Souffrance, moi la trop supporter. Pardonne à moi, m'y regrette toujours ça qui m'y fait. Mon colère, mon fierté, mon honneur, ça même la peau prise. Moi elle est trop jaloux, mais n'a l'impression de devenir fou. L'amour ça les fout. Souvent les rend à moi jaloux. Il n'a confié à notre deux surtout. Moi elle est trop amoureux. Faut pas qu'on pense moi les mauvais. À l'évidence c'est où m'y veut garder. L'amour ça les fout. Souvent les rend à moi jaloux. Il n'a confié à notre trop amoureux. Faut pas qu'on pense moi les mauvais. À l'évidence c'est où m'y veut garder. Oui, les durs. Pardonne à moi, m'y regrette toujours ça qui m'y fait. Mon colère, mon fierté, mon honneur, ça même la pourrise ou de cœur. À force moi elle est trop jaloux. M'y n'a l'impression de devenir fou. L'amour ça l'est tout. Pas, mais en tout cas, je t'attends sur le plateau, tu es invitée et je te le dirai directement en face de la caméra comme ça. Sandria, merci beaucoup. Merci beaucoup Tessa, merci. J'espère à que tu vas revenir très rapidement. Bien, oui, bien sûr. Si on a besoin de toi pour une conversation, comment ça se passe? C'est comme d'habitude à sa Facebook Sandria. D'accord. Numéro de téléphone 06 92 49 08 29. D'accord, ok. Mais juste pour dire aussi, je serai absente pendant un mois. Mm-hmm. Ouais, pour les gens qui m'appellent, je suis des retours les débuts d'août. D'accord, tu pars en vacances? Je vais aller en vacances. Super, profite de tes vacances et puis reviens-nous très vite en pleine forme. Ça, c'est sûr. Et avec le cocktail. Parce que t'es done. Bisous à toutes, on se retrouve. Bye bye.